santé, c'est une manifestation publique où on parle d'actions pour favoriser un bon état de santé en fait. Autour de 5 pôles. Il y a un pôle alimentation sur lequel les habitants ils peuvent aller faire des courses en situation d'achat avec une supérette. Il y a l'agglomération qui est représentée pour un stand de sensibilisation sur l'eau du robinet, la consommation de l'eau du robinet par rapport à l'eau en bouteille. Il y a aussi un pôle sur la prévention des écrans. On est dans la quinzaine des écrans, donc on a là réuni nos deux manifestations autour de ce pôle. Il y a enfin un gros pôle prévention santé auquel est reliée d'ailleurs une exposition de la Ligue contre le cancer. Un autre pôle qui s'appelle pôle vivre avec la maladie et le handicap. L'idée, c'est qu'un gros pôle prévention santé auquel là toutes les associations affiliées à l'UDAF puissent présenter des stigmatisations des personnes vivant avec la maladie. À savoir comment accompagner les personnes avec handicap mental, leur trouver une solution d'accueil. Alors deux sortes de besoins. D'abord un accès aux droits plus facile. Car les personnes handicapées ont des droits, bien sûr, hein, mais il est toujours difficile d'accéder à ces droits. Et puis d'autre part, avoir plus de solutions d'accueil et d'accompagnement. Alors l'UDAF, c'est un regroupement d'associations qui agissent avec et pour les familles sur tout le département de l'Essonne, sur plein de sujets différents de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, on a invité des associations qui sont plus particulièrement impliquées sur le thème de la maladie et du handicap. Alors du coup, ici, on a sensibilisé les gens à la santé. C'est-à-dire qu'on a dû aller voir les gens, leur expliquer en quoi consiste notre action. Donc c'est-à-dire ici il y a des pistages, il y a sur l'alimentation, comment bien manger, il y a sur les addictions, on va informer les gens pour qu'ils viennent nous voir, qu'ils discutent avec nous. Bon, les rendez-vous de la santé, ça fait longtemps que c'est organisé en transversal avec plusieurs services, plusieurs associations. Et cette année en particulier, on a travaillé avec l'UDAF 91, réunir nos forces parce qu'ils avaient l'ambition de mener une action du type des rendez-vous de la santé. Et on les a contactés en leur disant plus intéressant de le travailler ensemble. Et donc du coup, on mutualise compétences, forces et capacités de mobilisation pour que le public soit là et que tout le monde profite de cette journée. Merci.